Autre temps fort de l'actualité, le meeting de Raymond Barre en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Meeting en présence de Valéry Giscard d'Estaing. Les deux hommes se sont rencontrés tout à l'heure, en fin d'après-midi. Mais on sait depuis très longtemps que l'ancien président de la République a décidé de ne pas prendre parti entre ces deux anciens premiers ministres. Olivier Lerner. Clermont-Ferrand, point de passage obligé pour les anciens premiers ministres de Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac il y a un mois, Raymond Barre aujourd'hui. Même accueil, même traitement. Au nom de l'union de la majorité, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas voulu faire de favoritisme. Une demi-heure, en tête-à-tête, aucune déclaration à la presse, rien qu'une image, mais selon les vœux de Valéry Giscard d'Estaing, pas de son. Rien qu'une image, appuyée par un large sourire de part et d'autre, c'est le régime du programme minimum. Mais le silence de Valéry Giscard d'Estaing prend une nouvelle dimension aujourd'hui. Raymond Barre, distancé dans les sondages d'opinion, aurait pu bénéficier d'un précieux coup de pouce si Valéry Giscard d'Estaing s'était finalement décidé à rompre le silence dans lequel il s'est enfermé depuis le début de la campagne. Mais aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing s'est encore bien gardé de dire sa différence. Oui, Raymond.